Lyautey, devenu maréchal Lyautey, en 1967 à la demande du général de Gaulle, président de la République française. J'en suis maintenant élu depuis 1998, donc vous faites le moins compte, des mandats de 5 ans, 4e mandat. Comme je dis souvent, tous les politiques en rêvent. Bon, ça c'est autre chose. On ne fera pas de politique ce soir. Médaille d'argent du tourisme international qui va être décernée dans quelques minutes à Christophe Hit Jess. Voilà. Le nom est plus compliqué à lire qu'à prononcer. Christophe qui depuis maintenant eh bien 43 ans est dans ce métier-là. Il est tombé dans la marmite quand il était petit, c'est le cas de le dire. Mais pour la bonne cause, parce que quand il rentrait de l'école de son plus jeune âge, il rentrait dans le restaurant de ses papas. Donc il n'a jamais, je crois, déjeuné ou presque ailleurs que dans un restaurant dans sa vie. Et ça se voit, c'est ça? Non, pas du tout. J'allais dire le meilleur pour la fin. Alors, donc, et Christophe, donc, depuis avec ses parents qui étaient restaurateurs en Lorraine, et il y a toujours un restaurant à Cracovie, c'est ça aussi, en exploitation. Et à Maurice, alors deux contrastes de destinations touristiques, Cracovie et Maurice, c'est pas forcément évident. Mais son coup de cœur, et on l'a compris, c'est madame qui l'accompagne maintenant dans sa vie. Il est à Maurice, voilà. On l'a bien compris que c'était aussi un coup de cœur, outre mesure de l'île, c'est un coup de cœur aussi tout simplement légitime par l'amour. Mais l'amour aussi de faire plaisir à un plus grand nombre d'entre eux, parce que Christophe, il connaît la cuisine, il a la chance d'avoir trouvé un bon partenaire en cuisine, mauricien d'ailleurs, qui a su entendre, écouter et refaire un petit peu certaines choses, et bien avec des produits mauriciens, authentifier les produits, les sublimer, c'est avant tout l'art d'un cuisinier et l'art d'un restaurateur. Alors il n'y a pas que le restaurant, il a voulu aussi un hôtel de charme et atypique, où ici on... Je dirais, dès qu'on rentre, c'est un peu une forme de zénitude complète. Il aurait pu s'appeler Zen, cet hôtel, mais il l'a appelé Flore Paradise. Quelque part, le paradis est aussi toute zénitude et tranquillité. J'ajouterais que, pour information, la dernière médaille d'argent qui a été remise ici dans le même domaine, mais dans un autre gastronomie, c'est à Nora Dorkin. C'était un peu plus haut là-bas. Patrick, comment s'appelle ce restaurant ? Eden Reef. Eden Reef, voilà. Dans un autre domaine, un restaurant uniquement cette fois-ci. Parce qu'ici, on peut y manger et y dormir, et même s'y baigner, on peut pratiquement rester, je dirais, entre guillemets, pas toute la journée, mais presque, à se détendre à l'intérieur de l'établissement. J'ajouterai aussi une chose exceptionnelle. Je suis venu l'autre jour avec mon ami Paul Lou Switzer, et Paul Lou était, pour l'anecdote, je vais vous donner l'anecdote, parce que il lui dit à un moment donné, tiens, je vais appeler mon ami Alain Delon, Alain de 45 ans. Et effectivement, ce qu'il fait, il l'appelle, il dit, je suis en train de manger ça, et demain, je vais aller dans un autre restaurant manger, etc. Et Alain Delon lui a répondu texto, dans son texto, il lui a dit, profites-en bien, avec un mot un peu plus sympathique quand on est entre copains, pour lui dire qu'il exagère. Voilà, il a dit, profite donc en bien. Je n'ai rien à ajouter d'autre que la fédération que je représente est toujours honorée, fière, de remettre la médaille d'argent du tourisme international qui est là derrière moi, parce que quand elle est méritée, pour nous c'est toujours un plus d'avoir des titulaires qui méritent ce genre de médaille qui est remise, je le précise, entièrement bénévolement bien sûr, et c'est toujours un plaisir de distinguer, même en petit comité mais avec des gens de qualité, j'insiste là-dessus ce soir, à notre ami Christophe qu'on peut applaudir très fort. Film, on va réapplaudir, mais plus fort, parce qu'il le mérite, mais en plus, ça sera mieux pour le son. Alors, Christophe, c'est l'instant solennel, mais sympathique. Venez me rejoindre ici. Et avant, peut-être que vous prononciez quelques mots, j'en suis certain. La formule consacrée est la suivante. Au nom de la Fédération internationale du tourisme, en tant que président de celle-ci maintenant depuis 1998, et après décision de notre commission d'admission, j'ai l'honneur de vous faire ce soir ici à Maurice, ce 22 mai, médaille d'argent du tourisme international. Félicitations. Je vous remercie juste les gens d'être présents. Ne cachez pas votre médaille. Une attention toute particulière à un confrère, parce que je l'ai sollicité très tard, c'était monsieur de Mattei. Il y a deux professionnels ici avec monsieur Carlier, ça fait très plaisir. J'ai pas besoin de beaucoup de monde autour de moi, juste des gens qui se font plaisir comme moi
à donner du bonheur à l'extérieur. Le reste n'est pas important. Donc on prend cette décoration bien sûr avec plaisir parce que c'est remis par les professionnels, mais c'est juste un pur plaisir et ça ne sert pour moi strictement à rien. Voilà, c'est tout. Je dis c'est honnêtement, bien, hein, c'est la passion. Voilà, je veux avant tout que ce soit la passion partagée. Pour faire ce métier, il faut que ce soit un métier de passion, de toute façon. Merci. Bravo à vous. Merci. On fait une petite photo.